Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons assister à la routine matinale de notre poupée American Girl pour la rentrée des classes. Elle est encore en train de dormir et on va regarder rapidement sa belle petite chambre. Elle a son bureau qui est complètement garni, son sac d'école. Il est presque l'heure de se réveiller. Je suis fatiguée. Bon, allez, il faut que je... Oh, je suis en retard. Allez, vite. Oh là là, j'ai que 15 minutes pour me préparer. Vite. Vite, je fais le lit. Je devrais pas le faire. J'ai pas le temps, en fait. Mais voilà, il est fait. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? C'est le premier jour. Alors, voyons voir. Alors. Oh là là. Oh, la tête que j'ai, je suis trop fatiguée. Je sais pas quoi mettre. Mais moi, je sais. Regardez. Il y a ce superbe uniforme, chemise, robe, cartable, parfait pour la rentrée. Non, je peux pas mettre ça. Ça non plus. Mais il n'y a rien, là. Coucou. Quoi? Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Mais ça... Oh, super, merci, Madame Récré. Parfait. Il y a même le cartable avec des fournitures. Je veux juste les accessoires, s'il te plaît. Dans mon sac. Ok. Alors, on va prendre toutes ces fournitures-là. On a une calculatrice, une règle... Et un crayon. On va mettre tout ça dans le sac. Allez, zou. Elle a tout ce qu'il lui faut maintenant. Et son thermos, faut pas l'oublier. Elle a besoin d'aide car elle est un peu en retard aujourd'hui. Voilà, son sac est prêt. On va le mettre là. Sans oublier son sac repas. Voyons voir rapidement ce qu'il y a dedans. Sandwich, chips et cupcake au chocolat. Elle va se régaler à midi. On va le mettre à côté. Ah, super, je suis trop contente. Ah, ça, c'est parfait pour la rentrée. En plus, j'ai mes lunettes, ma robe. Bon, allez, vite, faut que j'y aille. Dis donc, American Girl, t'as pas oublié quelque chose? Quoi? Tiens, mange au moins 2 petits biscuits. Ah, super. Vite, j'en prends un. Ne mange pas trop vite. Tiens. Ok, c'est bon, merci. Maintenant, il faut que j'y aille parce que je vais être vraiment en retard sinon. Ok. Et l'autre biscuit, tu le manges pas? Non, 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 j'ai pas le temps. Ah, mon téléphone, j'allais l'oublier. Tiens ton repas. Merci, Madame Récré. Bon, je suis prête. J'ai tout ce qu'il me faut. Mon téléphone, mon sac et mon sac repas. Je suis trop contente. Je vais retrouver tous mes amis. Allez, au revoir. À plus tard. Faut que j'y aille. Notre poupée American Girl vient de finir sa routine matinale pour la rentrée des classes. Elle est toute contente. Pour faire cette vidéo, je vais vous montrer maintenant quel coffret j'ai déballé. Il y avait celui-ci, un petit coffret pour dormir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un masque pour dormir. Elle en a bien besoin. Un réveil, très important, sans quoi elle serait hyper en retard. Une assiette avec 2 biscuits. Et un grand verre de lait. Mousseux. Deuxième coffret, le sac repas de Julie.
Et celui-là, c'est un coffret American Girl. Et là, nous avons un sandwich bien garni. Il y a aussi des chips. Un thermos qui s'ouvre. Là par contre, non, là il ne s'ouvre pas. Très réaliste quand même. Un cupcake au chocolat. Et la boîte repas. Très jolie boîte. Une boîte en métal. On va lui mettre son sandwich, son cupcake et ses chips. Son repas pour le premier jour est prêt. Troisième coffret, les fournitures scolaires de American Girl. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce petit coffret. Pas mal de choses. Ça, c'est un cahier de texte. Il y a également des cartes. Là, on a une table de multiplication. Derrière, ça doit être de la grammaire. Là, on a l'anatomie d'une abeille. Donc, c'est pas mal de cartes avec lesquelles on peut travailler. Et là, c'est la carte de l'école. Il y a aussi ce crayon qu'on peut utiliser pour écrire dans le cahier de texte. Tous les devoirs. On a aussi une tablette. Tiens, c'est intéressant, cette tablette a une antenne. On dirait un téléphone. Un peu grand quand même, pour un téléphone. Je pense que c'est une tablette. Il y a d'autres fiches pour travailler les différentes matières, comme les maths, la grammaire, etc. Et il y a même des feuilles pour prendre des notes. Et à carreaux aussi. Et là, on a un petit porte-clé en forme d'étoile avec une clé. Je pense qu'elle ouvre la porte des vestiaires. On va maintenant voir son joli sac à dos, gris, avec des étoiles. Il est assez grand. On peut mettre vraiment pas mal de choses. En plus, il y a deux pochettes sur les côtés. Il y a aussi ces fiches cartonnées pour réviser les lettres de l'alphabet. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une pochette qui explique ce qu'on ramène à l'école et ce qu'on laisse à la maison. Et là, on va mettre toutes les fiches, les feuilles. Voilà. Et aussi les petites cartes et même le crayon. On peut l'intercaler comme ceci. On va tout mettre dans le sac. Le sac est assez grand. La tablette, la clé. Et voilà, le sac d'école de American Girl est prêt. On va maintenant ouvrir ce gros coffret qui vient des poupées My Life et qui est un bureau pour la chambre de notre poupée. Alors le voici, il a de très jolis motifs. Il a un compartiment en haut et de l'autre côté aussi, des étagères, un grand tiroir dans lequel on peut mettre pas mal de choses et un autre en dessous. Il y a aussi un très joli siège en fourrure de couleur bleue.
très très doux. Et voici les accessoires qui étaient inclus. Alors, il y a cette jolie lampe. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'allumer. Je ne sais pas si vous voyez la lumière, mais je suis sûre que dans le noir, on doit bien la voir. Il y a aussi cette carte d'invitation pour qu'elle aille dormir chez une amie, un calendrier, des photos avec ses amis, une petite carte d'anniversaire, un ordinateur portable avec de jolis motifs, une carte des États-Unis, un magazine de mode, des autocollants avec de belles couleurs, un journal intime, là on a d'autres autocollants, et là nous avons un joli tapis. Alors on va maintenant tout ranger dans le bureau. On va mettre le journal intime, la carte, là, la lampe, le calendrier, on va le coller là, les photos à côté, l'ordinateur portable, là, la carte d'invitation sur le bureau et la carte d'anniversaire aussi. Et dans le tiroir, on va mettre tout ça, les autocollants. Le bureau de notre poupée est entièrement fourni. Elle aura tout ce qu'il lui faut ce soir pour faire ses devoirs. Espérons qu'elle aura passé une excellente journée à l'école. J'espère que vous avez également passé une bonne rentrée des classes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Madame Récré.